Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Gorogor Sillon qui vous parle en direct de la 57e partie de mon playthrough de Skyrim en compagnie de Bran qui fait n'importe quoi dans les ruines naines de Altrune, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, je sais que je raconte n'importe quoi. Oui, t'as un bon chien Bran. Tu me renifles, c'est bien. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu parce que ça commence à traîner en longueur cette histoire. Donc j'espère que vous allez bien, que ce playthrough continue de vous plaire. Alors qu'il y a plein de pièges par ici. Boum, boum. Ah ben ça commence bien. Ah, j'ai balancé une flèche dans Bran. Ça suffit. Boum. Déjà que t'avais pas de cerveau, mais maintenant t'en as plus du tout. Comment est-ce qu'on ouvre ça? Ah, par là. Résistance à la foudre, j'ai pas encore ça. Tout ce que j'ai ramassé qui me sert à rien du tout. Ok. Avec mon armure qui dégouline de venin. Tellement stylé. Oula, 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 oula. Ah, Mercantel. Tu n'as pas honte de taper sur un pauvre chien sans défense, non? Boum, je te tape dans les parties intimes que tu n'as pas. Tellement utile la marque mortelle. On a quand même un coffre qui traîne, non?
On prend. Là, y a rien du tout, bande de radins. Soula, ne restons pas là. Il y a déjà eu assez de morts. Oh, bien sûr, vous voulez que je parte. Vous attendez que je tourne le dos pour... C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Oh là. Tu as perdu la tête. Penumbra. Qu'est-ce que c'est que ça? Tarche sanguinaire. On va prendre tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, attends, on va prendre tout ça. Alors, le bouclier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Courbache. Vous avez une mine bien sombre. Qu'y a-t-il? Montrez-moi. Alors, c'est ma mission. Alors, c'est ma mission. Allez, dépêche-toi. Alors, c'est ma mission. Voilà, on a tout. Je pense. Avons-nous terminé? Je pense, oui. Bon, ça c'est pour remonter, on s'en fout. Et nous voilà à Griffe Noire. Boum! Ah oui, Gorbache, il y va carrément au bâton, lui. Gorbache.
vache, il y va au double bâton, lui, allez! Boum, boum, rien à foutre! Le robache, il se fait plaisir, quoi. Ah oui. Corbeau. Ah, merci, tu déménages pour moi. Aïe. Bien, bien, bien. Oh, embrochage. Ah, j'ai cru qu'il allait être décapité, mais non. Alors, on va essayer de bien faire le ménage dans le coin. Oh, bravo, Kerjo.
bon, l'autre on s'en fout, il est là-haut. Je crois pas qu'on puisse l'atteindre. Ah bah... Bon, c'est sans importance. Bien. Ah non, c'est pas avec ça. Résistance au feu. Tac. Bulle du riol. Bulle du riol qui a encore bugué, évidemment. Voilà. Voilà. Complètement bugué. Non. Voilà normalement à quoi il ressemble. La musique est complètement partie en couille. Trois heures après la musique qui se déclenche. D'ailleurs, objet. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Car je. Qu'y a-t-il? Prends ça. Ce sera fait. Non, Carjo, c'est pas pour toi. Laisse les autres tranquilles. C'est pas pour manger. Ne me regarde pas comme ça. Ce sera fait. En plus, c'est un peu trop dur pour tes dents. Enfin, pour que tu bouffes des trucs d'où meurs, donc bon. Ce sera fait. Ce sera fait. Ce sera fait. Voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. Un coffre. Tac tac tac, potion. On l'a déjà lu.
c'est un bug. Alors, mettre ça là-dedans. Ok, ça sert à rien. J'ai pas l'impression que c'est très utile ce que je suis en train de faire. Bon, celui-là il marche plus. Ah! Bon ben j'ai rien compris, c'est pas grave. Bon, on a trouvé le parchemin, cool. Apporter les parchemins à Dexion. Bien. Pioche, un sac. Givreboise. Hop. Donc l'autre, on s'en fout complètement. Apporter les parchemins là-bas. Je suppose que votre voyage a été une réussite. Tiens, voilà les parchemins. Je suis désolé, mais je ne peux plus vous aider dans ce domaine. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? C'est ma faute. Pressé que j'étais de lire le premier parchemin,
j'ai négligé la préparation minutieuse nécessaire. Mais t'es con. Je pensais être en mesure d'atténuer les séquelles, mais j'avais tort. Aujourd'hui, j'en paye le prix. Aveugle ? Oui, j'en ai bien peur. Non, il va falloir que ça suive son cours. Il y a toujours une chance que je ne m'en remette pas. Ça n'a pas l'air de te faire chier. Non, il y a un autre moyen. La question est, quel risque êtes-vous prêt à prendre pour trouver l'arc d'Auriel ? Oh, je suis prêt à sacrifier une vampire. Je ne vous garantis pas que ce soit sans danger pour vous. Devenir aveugle pourrait être le dernier de vos soucis. Ne vous inquiétez pas pour moi. Les clairières de l'ancêtre sont des lieux isolés, éparpillés dans tout Tamriel. Il y en a une en bord de ciel, dans la Pinède. Accomplissez le rituel de la phalène ancestrale dans la clairière. Et vous devriez obtenir les réponses que vous cherchez. Explique-moi ce rituel. Il consiste à retirer soigneusement l'écorce d'un arbre du cantique, afin d'attirer des phalènes ancestrales. Lorsque vous aurez suffisamment de phalènes autour de vous, celles-ci vous offriront la seconde vue nécessaire pour déchiffrer les parchemins. Selon la tradition, un couteau à deux manches est nécessaire pour récolter l'écorce de la clairière de l'ancêtre. Tous les prêtres de la phalène apprennent ce rituel, mais peu ont l'occasion de le pratiquer. Ce sera une chance si vous y parvenez. Mais non. Donne-moi ton ta dague, et puis... D'après ma vision, la clé de la prophétie est le parchemin des anciens prédisant que le sang des mortels sera versé pour défier les dieux. Tu peux arrêter de manger en parlant. Quel rapport entre une phalène et le parchemin des anciens ? Comme vous l'avez sûrement déjà compris, ce n'est pas une coïncidence que nous soyons appelés les prêtres de la phalène. Oui, vous couchez avec les phalènes, la c'est pas grave. La voix de la phalène ancestrale a toujours fait partie intégrante de la lecture des parchemins des anciens. Oh, ce ne sont pas les phalènes qui lisent les parchemins, mais elles maintiennent un lien avec la magie ancienne qui permet aux prêtres de la phalène de les déchiffrer. Si vous tendez l'oreille lorsque vous atteindrez la clairière, vous devriez pouvoir entendre leur chant, un tri doux et harmonieux. C'est grâce à ce refrain ancestral que les phalènes accède à une forme d'oracle primal et deviennent des intermédiaires nous permettant de déchiffrer les parchemins. Si les phalènes ancestrales sont à proximité du prêtre de la phalène, celui-ci peut découvrir les présages de la phalène par leur biais. Seuls les plus déterminés des prêtres y parviennent. Il faut des années d'entraînement avant de pouvoir interpréter leurs harmonies. Mais je n'ai aucune chance. Vous avez déjà tant fait. Et vous avez trouvé plusieurs parchemins des anciens. Que vous le croyez ou non, les parchemins ont une conscience propre. Vous n'auriez pas pu mettre la main dessus s'ils ne voulaient pas que vous les trouviez. Et bien sûr. En conséquence de quoi, je crois fermement que votre destin et d'écouter le refrain ancestral. Il n'y a qu'une façon de s'en assurer. Ok. Est-ce que c'est une habitude chez les prêtres de la fête de venir aveugle ? Qu'est-ce qui a mal tourné ? Ben, il a trop regardé. Bonne chance. J'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Ok. Eh bien, c'est sur ce grand blabla que je vais arrêter cette partie ici, j'en profiterai pour arrêter un peu mon tournage aussi. Il serait plus que temps que je fasse du off pour liquider tout le merdier que j'ai récupéré. Donc il y aura une grosse séance de off avant la prochaine partie.
J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude... J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Le reste dépend de vous. Et toi. N'oubliez pas, comme d'habitude, les commentaires et les pouces verts, ça aide et ça fait plaisir. C'était Gorogorcillon, en direct de mon pifrou de Skyrim. À bientôt pour la suite. Sans Carjo.